In 2015, nearly 6 million children under 5 suffer from acute malnutrition in West Africa. Action Against Hunger has been working with the French Development Agency since 2012 to implement a program that increases food security in the region. Elize spent 10 days at the Center for Nutritional Recovery and Education of PAMA in the southeast of Burkina Faso. Adequate perfusion therapy, medicine, and food free of charge were provided for the baby and her mother. Elize's life was saved. In Sierra Leone, Mary Cisse, head of the Mothers of the Sunshine community, spotted this malnourished child. She was thus able to be treated. This is backbone, so in the bone all of the ribs, all the belly, the foot, you know, them be saying a cripple, not the worker. Young Lowly is doing much better today thanks to the treatment he received through the Strengthening Maternal and Child Nutrition Security in West Africa program, implemented by Action Against Hunger and its partners and financed by the French Development Agency. À travers cette convention de programme financée par l'Agence française de développement, Action contre la faim a pu mettre en œuvre une politique de sécurité nutritionnelle dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest, donc le Niger, le Burkina Faso et la Sierra Leone. Dans huit autres pays de la sous-région, ACF a pu développer des activités transversales de plaidoyer. Pour une des premières fois, on a pu mettre en œuvre un projet qui s'inscrit dans le mandat d'ACF dans son ensemble, c'est-à-dire si on fait référence au concept de sécurité nutritionnelle, il y a deux volets. Il y a le volet traitement de la malnutrition, c'est-à-dire on soigne l'enfant, on le guérit, mais il y a toute la partie prévention. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il est resté très compliqué pour nous de faire financer des projets qui s'inscrivent dans la durée et qui permettent de répondre à ces deux problématiques qui sont le soin, le traitement, sauver des vies, et la prévention, éviter effectivement que les enfants deviennent malnutris et finalement doivent se présenter au système de santé. For Sierra Leone, in the process of ensuring we improve our nutritional status, we have established the mother support groups at community level, and that is one key structure that we use. They do have community gardens where they grow their vegetables. Some can even use it for income generation, and it keeps the group growing together. This community be there, the picking they all be there, the most. But since the ACF go train me, I can go any hour and then how the picking and they do, I they talk to them for going to hospital. Now me on work that purposely now where they pa. I can come out, I go straight to them all. At the community level with the support group, they ensure they carry out self-screening for infants 6 to 59 months. And whenever they do the screening, referrals are being done. ACF supports the Ministry of Health and Sanitation in Sierra Leone fight against undernutrition. ACF interventions are linked at capacity building, the health staff and the health structures in detection and treatment of severe acute malnutrition. The inpatient therapeutic program in PAMA, Burkina Faso, admits children suffering from severe acute malnutrition and their mothers. Thanks to funding from AFD, medicine, treatment and food are all free. In 3 years, visits to the center have multiplied by 5. Tu peux faire le tour avec la sauce feuille de bavard et boire beaucoup d'eau. Il faut aider l'enfant à tenir le sein. L'enfant est trop faible. Lui-même seul, il ne peut pas bien téter. Et il faut bien manger. Lopo's family lives poorly off fishing and cereal cultivation. Weakened by diarrhea, Lopo and Nafisa's two children have successively spent several weeks in the center in PAMA to regain their strength. Action Against Hunger works with numerous partners such as the NGO Tintoi in Burkina Faso.
Tintwa organizes meetings on how to prepare a healthy porridge using local products for the women of Tindagu. These events give women the opportunity to get together and speak out. Notre collaboration avec ACF sur le programme AFD est vraiment un partenariat gagnant-gagnant parce que nous avons travaillé ensemble. En se renforçant mutuellement les capacités, nous travaillons déjà avec les communautés pour changer leurs pratiques alimentaires, pour changer leurs habitudes alimentaires, pour aller vers une situation où leur disponibilité alimentaire leur procure aussi un bien-être en santé. Donc, l'intérêt de ce projet, c'est sur une durée pluriannuelle, 3 ans, on a pu travailler avec les services étatiques, on a pu travailler avec les communautés. Donc à la fois sur la question de l'accès aux soins, la guérison des enfants et la construction de la capacité du système de santé à assurer cette survie de l'enfant au sein du système de santé. Et là, l'approche sécurité nutritionnelle, on s'intéresse du coup à la prévention de la malnutrition, que ce soit au niveau des changements de comportement alimentaire, pratiques de soins, hygiène. On leur donne de l'aquata pour pouvoir traiter de l'eau afin d'avoir de l'eau potable à domicile. Au niveau de ces centres de santé, les mères reçoivent des bidons qui vont les permettre de pouvoir mettre en place un dispositif de lavage des mains à domicile dans des endroits stratégiques, notamment à la sortie des toilettes. On construit des puits dans des villages à fort taux de malnutrition où on a constaté qu'il y a beaucoup de cas de diarrhée. This woman returns from the fields with the day's yield. Nature is generous, but one must be organized to improve one's life. Obtaining credit through pledging crops is one of the virtuous mechanisms Action Against Hunger, ACF, has implemented within the communities. Via le programme AFD, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir essayer petit à petit d'intégrer beaucoup plus nos interventions par rapport aux politiques nationales du pays. Maintenant, il faut qu'on essaye d'aller dans une étape supplémentaire où réellement les institutions et le ministère de la Santé sera en capacité de reprendre ces activités-là. Through the AFD program, ACF also advocates for nutrition through influencing policies and holding governments accountable to their commitments. A network of nutrition champions that gathers ACF missions and civil society organizations has been set up in order to advocate at a national level. Au niveau régional, nous avons mené une étude qui nous a justement permis de connaître le niveau d'intégration de la nutrition dans les différentes politiques sectorielles en Afrique de l'Ouest. Dans certains secteurs, la nutrition était plus ou moins bien intégrée, comme la santé par exemple. Par contre, dans d'autres secteurs, comme l'éducation, comme la protection sociale, ou encore l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il reste encore de nombreux efforts à entreprendre pour que la nutrition puisse réellement être vue comme un objectif ou même un indicateur. Plusieurs secteurs ont donc déjà été associés à la lutte. Et ces dernières années, nous avons le secteur de l'agriculture, la sécurité alimentaire, la protection sociale, l'éducation, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'économie et les finances qui s'occupent vraiment de la mobilisation des ressources, la promotion de la femme et du genre. Depuis, ils ont vraiment adhéré avec nous dans cette lutte. With the civil society which we're based with, we try to collaborate different partners and work together in our efforts at national and district levels to promote, to advocate for good nutrition and access to food, as well as other new areas which we consider to be nutrition-sensitive areas. In Niger, Action Against Hunger, ACF, has supported the Ministry of Health to conduct a national study on the needs and necessary costs of acute malnutrition management in health centers. This study will facilitate strategic planning and political decision-making regarding the fight against undernutrition. Ce que nous voulons atteindre comme objectif, c'est d'abord un accroissement des ressources allouées au financement de la nutrition au Niger, avec un accent particulier sur la prévention. ACF a toujours travaillé avec cette population en tenant compte des besoins de cette population. Rien ne se faisait dans la commune de Pama sans que le conseil municipal ne soit informé de toutes ces activités. Nous avons effectivement associé ACF dans l'élaboration de ce plan communal de développement parce qu'il y a certaines actions, comme vous le dites, la nutrition qu'on a prise en compte. Par contre, dans l'ancien plan, ça n'existait pas. Donc, ça a été intégré
dans le plan communal de développement. Nous avons le nécessaire, il suffit de varier l'alimentation et c'est un plus. The program agreement, funded by the French Development Agency, is an example of the type of long-term funding that is essential to fighting effectively against undernutrition. This funding has allowed the implementation of a multi-sectoral and multi-annual approach which can have a sustainable, long-lasting impact on undernutrition.